Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Valérie Trier-Valère va parler à la télé. Un grand show de Noël en préparation sur France 2. Et puis la demande de remise en liberté de Nabila Benatia examinée jeudi. On commence donc avec Valérie Trier-Valère qui va donner sa première interview après la sortie de son livre. Merci pour ce moment. Une première interview réservée à la télé britannique. L'ex-première dame n'a donné effectivement aucune interview télévisée en France après la sortie de son livre. En revanche, elle a accepté de se livrer à la BBC. Selon Le Parisien, l'entretien a été réalisé hier en toute discrétion à Paris dans les studios de la chaîne et sera diffusé dans l'émission Newsnight. Elle participera également à un talk show dès dimanche à l'occasion de la sortie de Thank You For This Moment, la version anglaise donc de Merci pour ce moment au Royaume-Uni. Elle donnera également une grande interview au Times ce week-end. France 2 prépare une émission spéciale pour Noël. Et ce sera une nouvelle édition des Copains d'abord qu'on avait vu début septembre au Francofolie de La Rochelle. Pour Noël, cette grande émission de variété sera enregistrée à Tignes. Ça s'appellera Les Copains d'abord font du ski. L'enregistrement aura lieu le 3 décembre prochain. Comme les bronzés, en fait. C'est exactement ça, c'est la déclinaison. Il y aura Patrick Bruel, Julien Clerc, Garou, Benabar, Kenji, Chaim, Danny Briand. Au total, 23 chansons en solo ou en duo. Et des scénettes tournées entre les artistes comme une bande de potes en vacances à la neige. Ah bah voilà. C'est ça, c'est les bronzés. L'émission sera diffusée en prime time donc pendant les fêtes. Et puis pour succéder à Omar Sy à l'animation, France 2 a choisi le comédien Arnaud Ducret qu'on voit tous les soirs dans Parents mode d'emploi. Plus belle la vie se délocalise en Tunisie. Le prochain prime time du feuilleton de France 3 est en cours de tournage en Tunisie jusqu'au 18 décembre. Une grande partie de l'intrigue se déroulera de l'autre côté de la Méditerranée. Les personnages d'Esteban et Bauer se rendront donc en Tunisie pour une histoire de vengeance après la mort d'un ancien docker. Il y aura deux épisodes de 52 minutes, diffusion dans les prochaines semaines à 20h45 sur France 3. La demande de remise en liberté de Nabila sera examinée jeudi. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se réunira sans doute à huis clos pour examiner la demande de Nabila Benatia. La starlette de télé-réalité devrait quitter sa cellule pour assister à l'audience à 9h du matin. Elle est écrouée, je vous le rappelle, depuis plus d'une semaine à la maison d'arrêt de Versailles, mise en examen pour tentative de meurtre sur son compagnon Thomas Vergara. Le jeune homme sera lui entendu aujourd'hui en fin d'après-midi devant le magistrat instructeur au tribunal de grande instance de Nanterre. L'enquête va devoir faire la lumière sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 au 7 novembre dans un hôtel de Boulogne-Billancourt. Et toujours à propos de Nabila, Christophe Ondelat prend la défense de BFM TV, accusé d'en avoir trop fait sur cette affaire. La chaîne d'info a été critiquée pour avoir mis à la une ce fait divers le lendemain de l'interview de François Hollande sur TF1, mais pour Christophe Ondelat, présentateur des journaux du week-end sur BFM TV, l'affaire Nabila Benatia méritait amplement la place qui lui a été faite. Il était l'invité de C'est à vous hier sur France 5. Le principe des chaînes d'information continue, c'est que à partir du moment où une information prend de la place, on lui donne toute la place. Non seulement j'ai assumé, mais pour être très honnête, il y a des choses que parfois je n'assumerai pas facilement, oui, mais j'assume d'avoir même demandé à ce qu'on en fasse un peu plus sur Nabila, parce que je peux vous dire, au stade, je ne me souviens plus exactement à quel stade on en était, mais enfin, je pense que c'était le surlendemain. Ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui freinaient un peu des cas de fer dans la boîte, et moi, je les ai stimulés en leur disant que oui, c'était intéressant. Vous savez, l'intérêt d'un fait divers, ça n'est que de voir un être humain, à basculer. Un moment donné, basculer. Et alors que ce soit Nabila, que ce soit Francis Holm, voilà. Comparaison entre Nabila et Francis Holm, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on comprend ce qu'il voulait dire. La saison 6 de la série Un village français débute ce soir à 20h45 sur France 3. Et cette nouvelle saison de la grande saga historique de France 3 commencera à l'annonce de la libération de Paris le 25 août 44. Les personnages vont vivre les dernières heures de l'occupation avant de basculer donc dans la libération qui ne ressemble finalement pas à ce qu'ils avaient imaginé. Une série très réussie et très réaliste historiquement. Les derniers épisodes de la saison 5 avaient réuni 3,5 millions de téléspectateurs et Un village français s'est déjà vendu dans plus de 15 pays. L'émission de Charlotte de Turckheim sur France 2, Vos objets ont une histoire, va s'arrêter en janvier. Selon Télé Loisirs, la chaîne a décidé de ne pas renouveler le programme qui s'intéresse aux vieux objets. France 2 nous précise que les 14 numéros prévus ont été diffusés et qu'à partir de janvier, il y aura effectivement de nouvelles propositions éditoriales sur la case du samedi en fin d'après-midi. Mais la chaîne se dit plutôt satisfaite des audiences et indique qu'il n'est pas impossible que l'émission revienne dans quelques mois. Les candidates à Miss France ont passé leur test de culture générale. C'est un classique de la préparation à la cérémonie. Actuellement en voyage en République dominicaine, les Miss ont dû répondre à 40 questions sur l'histoire géo, la politique, l'économie, la mode, la musique, la télévision ou la littérature. Vous voulez quelques exemples de questions ? On va jouer avec Julie. En quelle année est tombé le mur de Berlin ? En 89. Ouais, bien joué. Combien y a-t-il de régions administratives françaises en 2014 ?
22 ? Bah oui, je crois que c'est 22. Ouais. Qui est Conchita Wurst, ça vous bon, savez facile, ah, ça, la gagnante de l'Eurovision ? Le gagnant, la gagnante, je sais pas. Bonne précision. Et puis la nationalité de l'auteur d'Harry Potter. Anglaise. Anglaise, oui, c'est voilà. ça. Et ben, on vous déclare Miss Europe. Très bien, j'accepte. Oui, Miss Europe, mon diadème. Oui, ma... C'est la Miss Île-de-France qui a obtenu la meilleure note du test avec un joli 19,5 sur 20. Non. C'est bien, oui. On termine avec le chiffre du jour. Un an, c'est la durée pendant laquelle un présentateur de télé australien a porté le même costume. Pendant des mois, il a présenté son émission quotidienne en changeant simplement de chemise et de cravate, mais en gardant donc le même costume, et personne ne l'a jamais remarqué. Le but, c'était de montrer la différence de traitement entre hommes et femmes à la télé, puisque les présentatrices, selon lui, sont davantage jugées sur ce qu'elles portent, puisque lui, personne n'a remarqué qu'il portait donc le même costume depuis un an. En même temps, c'est toujours plus original une femme quand elle est habillée qu'un mec. Un mec, c'est toujours un costard, donc on voit pas si c'est le même ou pas. Une fille, en général, elle change de haut, elle est en jupe, elle est en pantalon, etc. Avant, Julie, c'est toujours habillée c'est en tout moi, c'est ouais, tout moi. Et elle, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas changé. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.